Des traits, des courbes, des taches, un pinceau libre de toute contrainte, un geste spontané et sincère, tels sont les ingrédients de l'écriture abstraite de Jean-Jacques Marie. Pour moi, la sincérité est gage d'authenticité dans l'expression personnelle. Jean-Jacques Marie réserve une grande part à l'improvisation et cultive l'instantanéité du geste pictural pour donner souffle et émotion à ses créations. La composition devient plus une pulsion que le résultat d'une réflexion, l'indispensable étant de conserver la sincérité et l'authenticité. En explorant la ligne et la tâche, Jean-Jacques Marie cherche à traduire ses émotions intimes et ses états d'âme, quels qu'ils soient. Cela explique la grande diversité de ses créations. Avant de commencer une œuvre, je me connecte à mes sens, à mon émotionnel, ce qui permet d'accéder à une grande assaise dans l'exercice de la connaissance de soi. Ce qui apporte une autre dimension à toute création. Je ne fais pas de calligraphie. Je n'interprète aucune image du réel. Mes œuvres n'ont pas de titre, ce sont des compositions. Comment donner un titre à la spiritualité? Le spectateur peut méditer, se questionner et trouver l'art qui va le toucher au plus profond. Cette attirance pour l'abstraction est toute récente et découle d'un changement d'orientation aussi brutal que capital. Né en région parisienne, d'un milieu modeste, Jean-Jacques Marie s'intéresse très tôt à l'art sous toutes ses formes. Très jeune, il fréquente assidûment les musées et les galeries à l'insu de ses parents. Ce n'est que vers l'âge de 40 ans qu'il peut consacrer sa vie à la peinture. Subjugué par la lumière qui jaillit des couleurs, il étudie les mélanges optiques à travers les différents courants artistiques et s'épanouit dans une écriture poétique. Il privilégie déjà l'expression et la transmission de l'émotionnel plutôt que le souci du réalisme. Moi, dans un premier temps, je me suis intéressé effectivement à la peinture figurative,
c'est l'interprétation d'un sujet. Bien sûr, il faut en avoir appris les bases techniques fondamentales, les conceptions, les couleurs, les complémentaires, etc. Ce qui m'a vite mis sur le chemin de la lumière, plus que sur le sujet. J'étais effectivement attiré par les mélanges optiques, la loi du contraste simultané des couleurs du physicien Chevreul. J'ai travaillé sur ce thème pendant de nombreuses années. Puis, mon attrait pour, je dirais, mon amour, mon intérêt pour l'angle de Chine se révèle en parallèle. Et là, je découvre la calligraphie asiatique d'avant-garde. Et alors, je suis comme envoûté, transporté dans la quatrième dimension. Ce fut la révélation. Se produit alors un virage à 180 degrés. Il s'exprime désormais pleinement et sans limite dans l'abstraction. Vous n'ignorez sans doute pas que Marcel Duchamp n'aimait pas beaucoup l'abstrait. Car pour lui, l'intérêt était purement rétinien. Alors, j'en conclus que mes œuvres sont rétiniennes pour le spectateur. Mais, comme le rédimède, ça lui fait travailler son esprit et ça lui fait découvrir l'art où peut-être il ne l'avait pas vu au premier abord. Son travail demeure rythmé par des variations d'exécution surprenantes, reflet de ses humeurs et de ses ébranlements intérieurs. On découvre ainsi des créations très puissantes, presque agressives, ou au contraire, très douces, très musicales, légères et vaporeuses. Certaines réalisations très structurées renferment des lignes directives, sorte de recette secrète qui pousse le spectateur à entrer dans la composition, puis à se perdre dans des perspectives parfois improbables. D'autres ne sont que formes informelles et tâches improvisées, incitant à la divagation et à l'évasion. Toutes les œuvres de Jean-Jacques Marie naissent selon un même processus psychique, faisant appel à la mémoire procédurale et à l'écriture spontanée, appuyée par une intense mise en condition préalable. Thank you.
J'adore travailler sur le papier, j'adore travailler sur le bois, parce que ce sont des supports rigides. Mon procédé a deux phases de réalisation. Alors, premièrement, je fabrique bien sûr mes châssis, mes fonds, que je travaille énormément pour avoir une certaine résonance, il me convient. Et la deuxième phase, c'est la spiritualité, le spirituel, c'est-à-dire vraiment l'œuvre. J'emploie l'acrylique ou l'encre de Chine avec parfois du brou de noix. Le noir est une couleur que j'affectionne tout particulièrement, comme Soulages, Marfin, Klein, Verdier, Mortoel, etc. Jean-Jacques Marie revendique lui-même une filiation classique, le gestuel spontané et la sincérité de l'expression étant finalement ce qui domine son œuvre. Son parcours atypique, ainsi que son importante production, en font un artiste en marge des tendances actuelles du monde de l'art.